intervention HVM Télé-Télé. Permettez-moi de souligner ces races de chiffres à ce scanner, ces races de profil que le docteur met. C'est des frères de notre Darwin, si vous voulez. Il est temps de rappeler les associations Saint-Hugo. C'est-à-dire, j'espère que vous êtes mieux informés que moi, mais il y a des lacunes au niveau de nos régimes. C'est-à-dire, sincèrement, que même nos camarades des associations, les comités de village, c'est-à-dire, nous sommes et aucune autre de nos collaborations avec l'IPAPC. Il y a aussi trop la formation. Oui. Il y a la formation continue et les acteurs, ils viennent dans les villages. J'espère que nos PAPC, nos élus, actionnent l'intercommunalité, actionnent aussi l'intervillage, c'est-à-dire parce que dans d'autres jours, ils redonnent tout de l'île Ouahadset, dans des associations Ouahadset. Inch'Allah, la prochaine fois qu'ils nous lient, nous dirons des bilans de l'intercommunal ou là où l'intervillage. Les villages, ensemble de villages, là, au niveau de l'association Tana, on a essayé de susciter le débat au niveau de la région, on a créé des collectifs, de même à les associations, de même à les villages, on veut réussir. Mais il y a de la formation à faire. Il faut former parce que Kainé, parce que nous sommes une famille. Les points forts à Wana, aussi parler des points faibles à Wana pour avancer. On a des lacunes, les associations. On est mal formé pour être. On veut être efficace. Je termine. Sérément, des formations, et les acteurs du mouvement associatif, et les assemblées villageoises,